matché avec le match des 4. Maintenant, il faut trouver le bon match. Et voilà. Tu vas avoir du mal à dire le serveur contre qui il joue aussi. Ah, quand même, et 4, je sais le dire. Non, mais leur adversaire, pardon. Ah. Vas-y, dis-le. Non, je préfère pas. Bah, T'as déjà du mal après, avec Pushko. et 4 contre. C'est Bowies, non? Non. Bolgrat, Bograt. Bolgrat. Bowies, c'était le match Bolgrat. avant. Ouais, c'est parce que je regarde plusieurs matchs en même temps. Donc. Il y en a un qui s'appelle Nymphétamine. Alors, il y a Miguel, Nora, Nymphétamine. Oui, en effet, bah voilà. Petit coucou. Et, oula, Kangof, attends, qu'une faute. Voilà, appelle le panda, ça ira plus vite. Alors, du côté 4, il y a Nakats avec 15, 34, 15, 14, 50% de résistance. Il y a Tamrak avec 20, 20, 30, 32, 30. Harp avec 15, 15, 25, 17, 25. Et Unagi avec 15, 15, 38, 17, 38. Du côté de. Vas-y, je te laisse prononcer le serveur. Ouais. Non, mais moi j'ai du retard, alors Ouais. fais-y tout seul. Ouais. Alors, il y a 8, 6, 16, 14, 9 pour le panda. Pour Nora, il y a 10, 20, 17, 34, 16. Pour Miguel, il y a 12, 15, 5, 15, 25. Et pour Nymphétamine, si j'arrive à mettre la souris, 17, 17, 17, 17, 17, 17. Il est collectionne les 17. Et ça commence déjà par la frappe du côté 4. Ils n'ont pas reconnu ma voix par rapport à celle de Big, pourtant il y a une grosse différence. Par contre, Roxane a fait une petite faute. C'est pas Bif, c'est Big. Ah merde. Ah merde, ah non. Oups. T'inquiète pas, il est pas là donc il ne te voit pas. Maintenant je vais couper. Les spectateurs, ce n'est plus vraiment. Hop. Information. Voilà. Alors. Apparemment, tout le monde critiquait E4C, mais ça a l'air d'être une bonne team. Et surtout, une bonne. Oui, une bonne team par rapport à la map. Ouais. Et tiens, je remarque qu'ils n'ont pas de crâne de l'autre côté. Ça pourrait causer problème, surtout pour les qui n'ont aussi rien pour rappeler les ça s'ils le transportent. Alors, une bombe pour le leurre ou une bombe pour le boost? Je sais pas. Retour de la 4, qui a bien retiré des PM. Ah oui, ça c'est tout le Nakast tout craché. Je Ouais. retire des PM. Mais bon,
Ça marche alors. Alors, s'il avance bien, il devrait se mettre. Après, c'est le panda qui joue. Donc, logiquement, il devrait se mettre là pour recevoir des PM juste après. Des PA. Autour de ta braque. Que va-t-elle faire? Ça reste toujours une fille sur le terrain. La petite portée pour toute l'équipe des 4. Ah non, apparemment il n'y a pas Harpe. Ce qui m'étonne que c'est pas Rouac qui est titulaire. Et non. Il y a la chaise qui n'arrête pas de craquer, c'est très embêtant. Ne sais pas où qui a mis. Ouais, il a mis ça là. Apparemment, ça parlait énormément, j'ai tout raté. C'est ce que je n'attendais pas plus, le transport de l'ennemi. Yes. Et du scrum. Le roublard qui s'invite dans la partie. Apparemment, ils veulent aussi se faire taper. Par contre, œil de taupe fait comme perception maintenant. Toujours pareil, il sait qu'attendre des DPM. Par contre, je comprends pas pourquoi il focus sur une ellipse.
C'est qui? Arnakli? Bah, c'est Tam ou Xav, mais je pense que ça doit être plus Xav. Bah, c'est pas évident de commenter. D'habitude, c'est Nick qui s'occupe de ça. Moi, je suis là content que adjoint, voilà. Je m'occupe surtout de tout ce qui est canal. Tu es secrétaire. Voilà, je suis secrétaire. T'apportes le café. Bon, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais voilà, c'est Amario C qui a gagné, on s'en doutait. Ouais. Oh, tout petit panda qui fait picole et tape. Je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Apparemment, le SRAM serait dans le coin. On a trouvé. Et c'est parti pour le retrait PM. Et apparemment, il essaie de faire comme Nakaz. Déjà. Il essaye. Je te laisse faire parce que moi je ne sais pas comment on Ok, fait. ouais, je l'invite. Bon, bah, je vais inviter un autre commentateur. C'est Chuck Wilshere. Je ne sais pas si vous connaissez. Beau gosse. Ou pas. Si, réponds. Il n'arrive pas, bien sûr. Il se fait attendre. Est-ce qu'il a seulement été appelé? Ah, le Ouais. voilà. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Oui, on t'entend. T'inquiète. T'es en direct. On va mettre la vie un peu parce que ça dort là, hein. Ah ouais. Vas-y, raconte-nous des blagues. Ah, je m'entends en écho, c'est bizarre. Bah oui, coupe le son du stream. Oui, c'est préférable parce qu'alors tu vas toujours entendre deux fois, c'est très très chiant. Ah, c'est pas grave. Bon, déjà, on va commencer par une petite dédicace à Merlin le Touffeux, Non, mais vas-y, commence pas là parce que hein. après ça va partir en couille.
Bon, c'est au tour de Tamrak de jouer, donc beau gosse, Kra et tout. Flèche divine, Genre, tu... il nique les bombes du roublard. Et c'est Ah ça ouais, contre mais... Oural. Faut savoir qu'un roublard sans bombe, inutile, hein. Oh, ne sois pas si sévère avec les roublards. Plus apparemment c'est un roublard avec un Dofus en face, donc compliqué. Ah, le panda qui veut bloquer un Kra, ouais c'est utile vu qu'il tape de loin. Oh, mais qu'est-ce que tu es méchant! Un Lol. supporter des 4, hein, faut savoir. Hein. Voilà. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème et 4 devrait remporter Olana. Enfin, pour l'instant, ils n'ont pas perdu beaucoup de PV en face. Hein. Il y a l'ennemi Rixa qui est derrière et il tourne. Il est où lui d'ailleurs, Lenny? Je vois pas. Invisibilité autrui. Bâtard. Là, je vais aller voir Tamrak, je vais lui dire de se bouger un peu parce que ça dort là. Petite dédicace à Pignouf. Pignouf. Il s'appelle Nevami maintenant. Un peu de respect. On va faire une autre petite dédicace à Enuchov, le gros riche. Oui, qui vient encore de faire une belle grosse vente. Je Ouais, sais. il fait de Le ça. riche. Bon, reprenons un peu de sérieux. Juste un peu, hein, ce qu'il faut. Ah, une AG qui claque une punie. Attends. J'ai un appel de Nikash. J'en ai pour 2 secondes. Ouais, vas-y, je t'écoute. Tiens, je dis le paquis. Ouais, je t'écoute, hein. Tu passes en direct, là. Vas-y, je t'écoute. Ah ouais, mais attends, Harp, il a fait une mascarade ou quoi, non? Ouais, ok. Ah ok, pas de problème. Ça va, il a pas l'impression de parler en direct là. Ouais, ça va. Ça Remit. Ah, toi, tu me dis qu'il y a mascarade. Merci. Bon alors, comment ça a démarré là? Ouais, ok, je te couperai à la fin, c'est pas un problème. Ouais, mais il y a Jack qui nous a rejoint. Parce qu'apparemment, c'était très calme. Ouais, trop calme, ça dort. Ouais. Ah ouais, on voit tous les péquenauds qui sont en train de parler à droite, là, c'est bien ça. Les technos, va te faire foutre. Oh, j'en sais rien, Merci moi. du T'en sais canal rien. alignement, là. Salut les péquenauds! Chico. Oh. Allez, Tam, une bonne punie, une bonne expia, Comme là. d'habitude, quoi. Ah, mais c'est... Ah mais c'est ton frère qui joue? Eh ouais, mon gars. Mais je croyais que c'était Shootit qui faisait le premier. Ben, tu vois qu'il est pas là. Il pouvait pas jouer sous titre aujourd'hui. Pas de Ah. compliqué. Oulala, le PGM va-t-il faire une action? Ouh, action de PGM! Et voilà. Voilà, hein, on sait où Un sont humain. les... Un au moins.
Et Lenny qui prend une grosse équipe dans la gueule. Allez hop. Bon, on sera tout seul jusqu'à la fin, car Nekash ne reviendra pas. C'est qui Tricarnage? C'est Monsieur Coco sur un RDS. C'est qui? Je Coco sur un RDS. Obidium. Ah ouais. Et Yuna, c'est qui? Je sais pas. C'est un perso dans Final Fantasy. Oh. C'est ton frère. Ouais. Ta sœur PD, bah. J'ai acheté le maillot à Jack Wilshere, si vous voulez, hein. Non, merci, c'est vrai. Salut, c'est Merlin. Ouais, salut. Arrête. Dédicace à Pokémon, Pokégil, hein. Le mec analphabète qui sait pas écrire. Il est chez Soul Player. On l'a dit, avec moins de PM, ça va être compliqué, hein. Ouais. Évite cette insulte, hein, sinon je vais être obligé de sanctionner. Qui c'est qui parle, là? Mais qui je suis? Je suis Cataflip, c'est dans le jeu, sinon on fuit, Jo. Ah ouais, salut Jo. Salut, c'est Jo. Bonjour, Jo. Il y a un film qui est passé sur TF1, Jo. Ouais, il me semble. Avec Jean Reno. Ouais, il me semble. Enfin, je suis pas très amateur de télé, donc. Ah, d'accord. On va faire YouPorn. Tout à fait, rien de tel. Bon, on va essayer de retourner au match. Bon, Eni, il a combien de vie maximum, Lenny, là? 3800. Ah ouais, d'accord. Donc les trois, ils sont quasiment full. Ouais, quasiment. Mais c'était un sacré qui est en phase 2, là, qui s'est fait limite one turn. Asram. C'est Asram, il n'a pas sacré de l'autre côté. Il a pris une petite punie à 1300 avec la masca, là. Ça l'a calmé. Ouais. Bolgrotte. La botte, vraiment inutile, non, c'est pas ce qu'il fait. 14 dommages à l'ennemi. C'est pour détacler. Allez, on booste le crâne un peu, comme s'il tapait pas assez fort. Puis avec une bombe à cet endroit, je sais pas, il va mettre qui dans le mur. Hein. Ah, c'est peut-être juste pour bloquer les obales plutôt. Ça te parle dans le chat, apparemment, Jack. Ouais, mais je vois pas tout. Bah, tu vas directement sur le truc. Va directement sur le site Twitch. Non, je t'envoie les liens sur Skype. Ouais. Mais t'as le chat en plus grand, comme ça. Ah ouais, c'est peut-être plus simple. Et c'est quoi qui est mort? J'ai raté. Un truc où? Y'a rien qui est mort. Hein. Y'a un truc qui vient de disparaître de l'écran. Ou alors peut-être un bug. Chat. Live D4. Fouh. Attention. Ah mais je vois toujours pas le. Serena. Ah voilà, j'ai trouvé ce qu'il y avait. Ah ouais, dédicace à Don Escobar, ouais. Ouais, pas mal aussi lui. Don Escobar et Isis, Joe Choc. Arrête! Trop kawaii, bro! Qui parle comme un bourg, pire que Pokéjin, non? Mais arrêtez! Bon. Il n'est pas interdit de. Bah, au moins, les mecs, quand ils arrivent sur le stream, ils savent de quel guild on est. De je ne citerai pas le nom, Sissi le carrossier. Il est riche, donc on va deviner rapidement qui c'est, hein. Ah, Panda il se trouve un peu loin, il se donne des PM. Pour tirer. Ouais. Allez! Il veut niquer Tamrak.
Il joue vite, putain. Allez, il va pousser le Lenny sur la bombe. Dommage de pousser. Avec mascarade, il va se faire buter. Eh, Bolgrot, c'est un serveur espagnol. Oui. Oui. C'est pour ça, ah, mais c'est pour ça qu'ils sont mauvais. Ils ont eu des morts dans l'accident de train. Oh, ça, c'est méchant, par contre. Y a pas des serveurs italiens aussi dans le paquet? Costa Concordia. Oh, la puni. Qui fait bien mal. Et y a plus d'Eni, allez. Normalement, ça déménage. En 4 tours, y a moyen. Ça joue intelligemment de côté des 4, hein. Mascarade, ouais, et après ça nique d'un coup. Avec la puni. Comment ça s'appelle ce sort? Pour faire passer le tour, elle mérite ça. Corruption. Corruption. Puis il faut dire que c'est pas très opti en face. C'est vrai qu'en plus, Bloc Panther, ça va super bien pour, pour une chinoise et un portugais. Il essaye encore de bloquer le crack, il peut faire le tour. Bon, il y en a un qui traduit l'espagnol, là. J'en ai fait un peu, mais... Pouf, j'en sais rien. Elle en a tellement fait que quand elle a des espagnols, au boulot, elle rage. Non, mais j'ai demandé de traduire l'espagnol, j'ai pas demandé de... Apparemment, de oui, parler c'est... dans le vide. Oh, la vache. Et ça, ça veut dire peut-être, c'est tout ce que je sais. Là, le cra, il envoie du pâté. Hein. Je sais pas qui c'est ce cra, mais il est vraiment très fort. Bah, ce cra là il voulait pas que tu viennes sur Skype, hein. C'est ça, ce cra là, le cra là c'est demain. Ouais, c'est bon, tu nous as fait chier avec. D'ailleurs, demain ouverture cra là 16h30, hein. Si vous savez, oui, pas bah, quoi ça... Tout le monde est au courant, c'est bon. Bah, s'il y a des spectateurs des 4 qui ne seront pas partis de la guilde, ouais. Bon, enfin, si. De toute façon, on a tout le monde en plus. Ouais, dédicace à Tug Life aussi, hein, grosse team. Mais que fait le panda? Mais que fait le panda? Il doit viser le match nul, je pense. Ouais. Et ça va être compliqué, là. Hein. Ouais, peut-être qu'ils ne veulent pas qu'il fasse une victoire écrasante pour qu'il trouve un point. C'est en combien de tours, la victoire écrasante? 80, c'est moins de 10 tours. Et là, on a combien de tours? Je vois pas avec Sky. Nous sommes à 7 tours. Ouais, bah, il va pas réussir. Hein. Il va se prendre. Je sais pas si le Kra, il a des sorts en boost. Il a déjà balancé son truc. Maîtrise de l'arc. Donc, que peut-il faire pour essayer de gagner? Deux tours. Que dalle. Conclusion. Victoire écrasante. Ah ouais, bah il a la double expire. Mais est-ce qu'il peut la placer? Pas sûr. Si, si. Ah bah oui. Bon, c'est quand même. Nakatsu va certainement lui en vouloir. Non, la victoire écrasante, c'est 10 tours. Ouais, bah c'est bon. Non, c'est pour moi, Ganfran, que je réponds. Ah oui. Non, mais vous êtes sûr qu'il parle en espagnol? Je sais pas. Ils espèrent peut-être qu'on les comprenne. Peut-être, peut-être. Mais je pense qu'ils ont compris que... Allez, les dommages de pousser du Zobal. Et la vie en moins.
Mais les serveurs espagnols, ils sont pas encore en 1.29 ou un truc comme ça? Il paraîtrait qu'ils sont encore en 1.29, mais qu'ils ont fait Ghost. Ah ouais. Ok, trop petit. Bon, compte. Victoire des 4. Victoire écrasante des 4, 80 points. Un grand bravo aux commentateurs. Ils sont très forts. Le prochain match. Et... Attends, Mathieu, parce que ça blanc, ça bug. Dédicace à Tamrak. Très fort comme cra. Ça va, il t'a payé ton frère ou quoi?